Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un gâteau yaourt en Nutella. Donc, ma fille a déjà commencé par mélanger les yaourts et le sucre. On y a rajouté aussi le sucre vanillé dedans. Après, on a fait la farine. Oups! Il va y avoir une petite catastrophe. Donc avec la farine, on y a mis aussi la levure. Hop, oups, pardon, il y en a un peu partout, désolé. Et on continue à mélanger. Non, on ne mange pas ma fille. Tellement tentant, mais ce serait pas terrible. Hein. Donc après on a enchaîné avec un peu d'huile. Donc en respectant bien sûr la recette. Bon, je l'ai un peu aidé parce que je crois qu'elle galère un petit peu la pauvre. Donc voilà. Non, on ne mange pas Lola. Petite gourmande là. Allez, on casse un premier œuf. Hop, oups, il y a une coquille. On va retirer la coquille quand même. On va éviter de se casser les dents. Allez ma puce, c'est bon, tu peux mélanger. Alors c'était quelque chose de vachement sympa à faire, première fois que je fais un gâteau avec elle. Donc bon, ben ça va quoi, c'est plutôt bien géré, bon un peu de farine un peu partout, mais c'est pas bien grave, il y a pire que ça quand même. Donc voilà, elle a cassé son petit œuf, elle était contente. Puis on entame avec le deuxième œuf. Hop, et là, il n'y a aucune coquille qui s'est cassée, elle est toute fière. Il n'y a aucune coquille qui est tombée dans la pâte à gâteau. Donc, elle s'applique bien comme il faut. Ah, un peu galère là. Mais bon, elle y arrive, elle y arrive. Elle a eu du mal à le casser cette jaune d'œuf. Mais bon, avec un persistant un petit peu, on y arrivera. Allez, c'est bien la puce. Et là, donc, il y a eu les trois œufs. Donc là, on entame avec le Nutella. Alors, c'est 4 grosses cuillères. Donc du coup, après, j'ai pris la relève parce qu'elle a un petit peu galéré, la pauvre. Ça, c'était des petits bouts, donc... Après, je l'ai quand même aidé. Ça, c'était un peu galère pour elle, quand même. Voilà, donc, comme je vous ai dit, je l'ai aidé à mélanger un petit peu, parce que c'était un peu galère pour elle. Oh, je suis désolée si vous m'entendez renifler, c'est juste que je suis enrhumée, donc voilà. Donc après, j'ai laissé goûter la pâte. Ça avait l'air d'être bon. Donc après on l'a mis au four, donc après on a découpé les petites parts, donc voilà. Et puis bon appétit, bonne dégustation.